Salut à toi, grand fan de Formule 1, j'espère que tout se passe bien. Pour toi, Mercedes prend une amende de 5 000 euros et 40 000 euros pour Yuki Tsunoda. Et Ferrari a progressé en qualification mais rebondit encore. On voit tout ça aujourd'hui dans l'actu partie 1 de ce 30 juin. Si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix d'Autriche qui se déroule ce week-end, aujourd'hui nous ferons un petit bilan du Grand Prix qui sortira ce soir. Donc si tu ne veux rien rater du Grand Prix d'Autriche, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous êtes 72% à regarder mes vidéos sans être abonné. Objectif, 27 000 abonnés avant ce soir. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. On y va pour la vidéo, let's go! Pour la première actu l'équipe, George Russell a décroché la troisième place sur la grille de départ en Autriche. Comme en Espagne, il n'a pas pu aller chercher Max Verstappen et Lando Norris devant lui, mais il est heureux de sa prestation avec la Mercedes W15, Russell déclare. La voiture se comporte très bien en ce moment. L'équipe a travaillé très dur pour apporter ses améliorations et nous avons l'impression que nous avons un vrai combat à mener, surtout contre Ferrari. Nous sommes toujours un peu en retard sur McLaren et Max et Red Bull le voyant aujourd'hui, mais cela va définitivement dans la bonne direction pour nous. Nous avons changé quelques éléments sur la voiture après le sprint. Nous avons changé le niveau de l'aileron, ce qui a aidé un peu et aidera à la dégradation des pneus pour demain. Donc je suis content d'être en troisième position, car je pense que nous avons un peu compromis les qualifications pour la course. Mais comme je l'ai dit, trois courses d'affilée pour nous où nous sommes dans le top 3 avec Lewis et moi, c'est vraiment génial. Et sur le fait de partir derrière Verstappen et Norris, il ajoute. Ces deux gars ont pris beaucoup de risques dans la course sprint, donc je pense que je vais m'asseoir, les regarder et faire leur truc, et j'espère me faufiler à l'intérieur. Mais de manière réaliste, ils ont l'avantage du rythme sur nous. Notre course va probablement être derrière eux malheureusement, et il est important que nous ne la compromettions pas trop en nous battant avec ces gars-là. De l'autre côté du garage, Lewis Hamilton a signé le cinquième temps des qualifications en Autriche après avoir rebondi en termes de réglage après un sprint frustrant dans la journée. Le pilote Mercedes estime être en meilleure position pour la course aujourd'hui. Le sprint a été un peu frustrant. J'ai pu me rapprocher de la Ferrari de Carlos Sainz, mais je n'ai pas pu le défier. Nous avons pu améliorer son équilibre général et cela nous a permis de faire un pas en avant. Mon dernier tour en Q3 a été correct, même si mon secteur intermédiaire était un peu en retrait. La cinquième place était meilleure que ce que nous avons réussi en qualification sprint, donc dans l'ensemble, c'était une bonne journée. Les ajustements que nous avons apportés à la voiture devraient nous aider pour la course de demain. J'espère que nous avons un meilleur rythme de course que celui que nous avons montré aujourd'hui. Lors du sprint, il sera important de dépasser Sainz si nous voulons nous battre pour le podium. Voyons ce que nous pouvons faire. La FIA a déjà tranché quelques points devant les commissaires sportifs après quelques soucis en qualification. Chez Mercedes, Lewis Hamilton était sorti de son garage en emportant son jack arrière et le tuyau d'extraction des gaz d'échappement. Heureusement, les deux éléments ne sont pas allés dans la voie rapide de la pit lane, mais la FIA a décidé d'infliger une amende de 5 000 euros à Mercedes pour cette sortie peu prudente. Chez Haas, Nico Hülkenberg était sous enquête pour deux infractions forcées dans la file d'attente des monoplaces en Q1 et en Q2. L'équipe Haas a été réprimandée et non le pilote pour cela. Concernant Max Verstappen, il était sous enquête pour possiblement avoir roulé trop lentement dans la voie des stands, mais la FIA a choisi de ne pas ouvrir le dossier à ce sujet. On est quelque peu habitué. Et enfin, Yuki Tsunoda a appris le résultat d'une enquête sur son utilisation prématurée de langage discriminatoire lors des qualifications du Grand Prix d'Autriche. Le pilote de 24 ans a été reconnu coupable d'avoir enfreint l'article 12.2.1.4 du Code sportif international de la FIA. Le pilote japonais a été condamné à une amende de 40 000 euros, dont 20 000 avec sursis pour le reste de la saison 2024, à condition qu'aucune infraction de nature similaire se produise. Le pilote Racing Bull a été surpris en train de dire « Ces types sont vraiment des pu bip 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 attardés ». Bon, vous imaginez que j'ai fait une petite censure. Sur la radio de l'équipe à propos de Guanyuzhou qu'il a dépassé dans la voie des stands pendant la Q1. Et selon le document de décision officiel, les commissaires ont déclaré. Pendant la Q1, lorsque la voiture 22 faisait la queue sur la voie rapide et qu'une autre voiture s'est immiscée dans la voie rapide devant lui, le pilote a été entendu faire une déclaration sur la radio de l'équipe en utilisant un langage offensant. Pendant l'audience, le pilote s'est excusé et a expliqué que l'anglais n'était pas sa langue maternelle. Il n'a pas su jusqu'à la fin de la séance quelle était la signification des mots utilisés en anglais. Il a dit qu'il avait été horrifié lorsqu'il a appris cela. Juste petit aparté, c'est moi qui parle, mais c'est une grosse blague.
Il a soutenu que sa compréhension des mots était différente, mais il a reconnu que cela devait être considéré comme une excuse pour ce qu'il a fait. Les commissaires apprécient l'honnêteté du pilote, mais soulignent le fait que les mots utilisés sont offensants et totalement inappropriés. Le fait d'avoir utilisé de tels mots sur une plateforme accessible au public consiste une faute telle que définie à l'article 20 du Code sportif international. Compte tenu des circonstances, les commissaires estiment qu'une amende sévère est nécessaire, mais prennent également en compte les remords sincères du pilote et son offre de présenter des excuses publiques, et décident pour ces raisons de suspendre une partie de l'amende infligée. Ah Yuki, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le coup, moi il m'a régalé. On switch d'équipe et on part du côté de Ferrari. Carlos Sainz réalise un bon week-end au Red Bull Ring, d'abord avec la 5ème place dans le sprint qui lui a valu 4 points, puis avec la 4ème place sur la grille de départ avec une nouvelle 2ème ligne. Il a reconnu qu'il utilise des réglages différents de ceux de Leclerc pour surmonter les rebonds qui lui tourmentent dans les virages rapides, comme à Barcelone où il souffre beaucoup. Nous essayons de changer la voiture pour voir si nous pouvons nous débarrasser de ce phénomène qui nous pèse, et peut-être ai-je réussi à rendre la voiture rapide, mais j'ai pas mal souffert tout au long des qualifications. J'ai même eu quelques problèmes de comportement, je me suis fait peur. En tout cas, quand c'était le moment, j'ai pu faire un bon tour et me faufiler entre les deux Mercedes qui, je pense, en ont un peu plus sous la pédale ce week-end. Max est dans une autre ligue, et à moins que quelque chose d'étrange n'arrive avec Lando devant, il va gagner. Notre combat est avec Mercedes et Piastri, et si quelque chose arrive, il faut essayer d'en profiter pour un podium. De l'autre côté du garage, Charles Leclerc était un peu plus satisfait de sa Ferrari SF24, le monégasque partira 6ème. Honnêtement, ça a fonctionné mieux que ce que je pensais. En Q3, c'était de ma faute, je ne fais pas le job. Enfin, je fais le job sur le premier train de pneus avec des pneus usés. Sur le deuxième, je bloque au virage 4 et je passe le reste du tour à essayer de rattraper ce que j'avais perdu dans le virage. C'est dommage parce que le tour avait l'air plutôt bon jusque-là. Peut-être première ligne, je ne sais pas quel temps ils ont fait devant. Mais avec des si, on aurait pu faire beaucoup de choses. Le résultat, c'est qu'on a dû changer la voiture. Je suis dans la bonne direction, mais en Q3, je n'ai pas fait le job. Je pense que ça va être mieux qu'en course sprint, mais il y reste pas mal de travail pour être au niveau de Red Bull et McLaren, qui a fait un pas en avant. Il nous reste beaucoup de boulot, mais on a fait un pas en avant de la qualif sprint à la qualif. Les questions du jour, les amis, et penses-tu que Ferrari et Mercedes pourraient y aller chercher un podium aujourd'hui au Grand Prix d'Autriche? Puis penses-tu que la réprimande de Yuki Tsunoda, 40 000 euros, c'est pas trop excessif? J'attends vos réponses en commentaire. Petit rappel, si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix d'Autriche qui se déroule ce week-end, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous êtes 72% à regarder mes vidéos sans être abonné, mais c'est aussi gagnant pour toi car tu ne pourras pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver sur le Grand Prix d'Autriche. Objectif, 27 000 abonnés avant ce soir. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. Je compte sur toi. Une fois que cela est fait, je te redirige vers le résumé des qualifications qui se sont déroulées hier après-midi. A tout de suite.